Bon midi! Alors, c'est l'heure de la pause créative. France Labrecque, chez Création Encre et Papier. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est toujours le thème 100% Noël. Alors, bonjour Christiane! Et donc, une autre réalisation à faire. En fait, j'en ai plusieurs à vous montrer, mais je vais en faire une avec vous. Mais vous allez voir différents modèles. Et vous allez voir, je me suis vraiment... j'ai travaillé sur moi pour garder ça le plus simple possible. Bonjour Sandra. Et en fait, le but, c'était que, je sais pas pour vous, mais moi, dans mes papiers, je me retrouve avec énormément de retailles et j'arrive pas à les jeter parce qu'on essaye de faire des choses avec. Alors, le but, c'est de récupérer nos retailles et de pouvoir faire des cartes et de pouvoir faire des choses avec. Alors, je suis allée dans la super simplicité. J'ai pris des retailles avec les couleurs qui se mélangent bien, avec les teintes. En fait, compte, c'est plutôt les teintes de chacune des couleurs. Alors, avec le lot, les étampes de fête étincelante, j'ai fait celle-ci. Fait que, tu sais, on part de couleur peau, puis on s'en va vers du rosé. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé mes boules de Noël, dans le fond. Puis, je me suis fait des vœux en noir embossés en blanc, à la poudre blanche, pour que ça puisse vraiment ressortir. Fait que, c'est tout simplement ça. Ensuite, toujours avec ce jeu-là, en utilisant l'étampe au niveau du gui, avec les petites baies rouges. Alors là, je suis allée dans le bleu. Et donc, j'ai tout simplement étampé avec des petits pouites de picot en mettant le vœu. Et ensuite, OK, mes petits lutins. Alors là, j'avais des variantes dans le vert. Alors, j'ai mis mes petits lutins dans le fond, j'ai collé mes bandes et le vœu est fait. Alors, une autre chose. Ensuite, les bonhommes de neige. Donc, la neige prend vie. Je suis allée encore dans d'autres teintes de bleu. Hein, tantôt, on avait un bleu-bleu. Ça, c'est plutôt bleu aqua, un petit peu de vert dedans. Alors, ça venait chercher autre chose. Donc, on a tout simplement les bonhommes de neige. Et ensuite, on a les arbres, les sapins, donc un Noël traditionnel. Et encore là, voyez-vous qu'on a différentes teintes au niveau du vert. Donc, j'ai tout simplement fait une belle forêt avec des gros flocons qui tombent. Et voilà! Qu'est-ce que vous en dites à date? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Et donc, ce que je vais vous montrer avec vous, je vais prendre le jeu avec les bonhommes de neige, parce que je les adore. Et j'ai mes bandes. Fait que là, je suis allée dans le jaune. Fait que ça va jaune-orangé. J'ai mon carton. Ça, c'est vraiment carton brouillon, tout simplement. C'est un vieux carton. Parce que ça va être en dessous. Puis ça va aider à tenir au niveau des retailles. Fait que j'ai ma carte que j'ai coupée à 5 pouces et demi. Rainure 4 pouces et quart. J'ai choisi de prendre la couleur dominante de ma Mélodie de mangue. Fait que j'ai déjà fait mon intérieur de carte. Puis l'enveloppe, la même chose qui est coordonnée. Fait que, vous allez voir, c'est comme dans le super simple. Au niveau des retailles, j'ai définitivement sélectionné, j'ai pris mon bac. Parce que j'ai comme un... comment je dirais ça? C'est comme un coffret, c'est un bac dans lequel on peut mettre des fiches suspendues. Fait que j'ai une fiche pour chacune des couleurs. Fait que des fois, ça commence à être épais un peu. Fait que je suis allée dans mes couleurs, puis j'ai tout simplement retiré des retailles que j'avais déjà. Fait que voyez-vous, même celle-là, il va falloir la couper là. Hein? Et donc, là, ça va être horizontal. Voyez-vous que mon carton, il est un petit peu plus petit que toutes mes retailles. Fait que voici comment est-ce qu'on peut organiser ça. Ça, je le voulais. T'sais, on peut les mettre un côté de l'autre pour voir un peu la hauteur et voir jusqu'où on va pouvoir coller. Alors, on prend de la colle et je viens tout simplement mettre de la colle sur une partie de mon carton qui me sert de base. T'sais, j'aurais pu les coller direct sur la carte, là, mais je voulais. Et celle-là, je la fais dépasser, fait que j'essaye d'être quand même égale.
Parce que je voulais en garder un petit peu moins parce que je voulais arriver avec le côté orangé. Quoique j'aurais dû commencer avec le côté orangé, mais en tout cas, bref, c'est comme ça. Hein, vous me connaissez. Des fois, là, j'ai pas de notes. Ben, je me suis dit, hey, j'ai pas besoin de notes, là. Come on. Et je viens tout simplement appliquer l'autre bande. J'essaie d'être égale, là. Quoique je vais prendre mon massicot, puis je vais quand même couper l'excédent. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de mesurer, couper, puis tout ça, là. Même que je vais faire dépasser un tout petit peu ici. Qu'on met celle-là. Ah, ça, j'ai pas tout à fait assez de colle. Fait qu'hésitez pas quand vous avez des retailles, là. Ah, puis s'ils sont plus petites, ben on peut faire comme deux encadrés côte à côte. On peut se débrouiller comme ça. Ce qui est important, c'est que ça serve. Et je viens mettre mon orangé. Whoop-a-lay. On va le pousser un peu. Ah, super! On pourrait même faire une découpe. Ah, on pourrait. Ah, ça serait une bonne idée. Ça. On pourrait faire tout simplement une découpe directement là-dedans. Ah, je pense que je vais essayer ça pour un autre projet. Et là, je m'en excuse. Je m'en vais sur mon massicot. Et comme il est gros pas mal, je peux pas vraiment vous l'apporter ici. Fait que vous m'entendez sûrement chopper mes morceaux. Tiens. Fait que voyez-vous, super facile à faire. Puis j'ai tout juste été autour là, de mon carton. Mais ça paraîtra pas. De toute façon, il va être en dessous. Hein? Fait qu'on va mettre ça comme ça. Fait que là, on est rendu à étamper. Et donc, on va disposer. Oh, il y a un petit bout ici. Paf! C'est pas grave. Alors, on va disposer nos bonhommes de neige. Et je vais y aller avec les deux étampes de bonhommes qui sont comme déjà complètes, hein, parce que dans ce jeu d'étampes-là, on a le bonhomme de neige ici qu'on peut monter soi-même. Mais ces deux-là sont déjà complets. Alors, c'est ça que je vais prendre. Donc, on va faire un peu le même principe que l'autre carte. Parce que le bonhomme de neige, il regarde par là, fait que ce serait fou de le mettre dos à dos avec l'autre. Ben, je pense que ça va être pas mal ça ici. Fait qu'on vient mettre nos aimants. On s'assure que ça tienne bien. Juste voir est-ce que je suis bien droite. Comme ça. Et voilà. Et pourquoi je me sers du Stemperatius? Ben, d'un, parce que ça va super bien. Et de deux, parce que je veux l'ancrer en noir vraiment, vraiment foncé, full pigment. J'aurais pu prendre la Stazon, mais la Stazon, je trouve que ça colle plus, on dirait. Hein? Fait que là, je prends la Memento. Puis, comme le Stemperatius fait en sorte que c'est toujours au même endroit qu'on ancre, ben, c'est merveilleux, hein? Voyez-vous comment ça commence à être un petit peu plus foncé? Fait que ça commence à me plaire. On peut juste, hein, comme frotter notre étampe comme ça aussi, hein, au lieu de tapoter, là. Et on s'en vient faire ça ici. Voilà. Oh, ça, c'est super beau. Ça, j'aime bien. Alors, je vais laisser ça comme ça. Et comme de raison, ben. On va s'essuyer ça, hein, pour le temps que ça prend. On va le faire tout de suite. Comme ça, nos étampes restent plus belles. Hein, c'est important de prendre soin de nos choses. Tiens, je vais laisser ça ici. Et on va venir se mettre des flocons. Puis je pense que je vais y aller avec ces petits-là. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors, on y va avec notre cœur. Là, on en met. Ils sont un petit peu plus pâles, mais c'est correct. Donc, on vient un petit peu remplir l'espace qu'on a, tout simplement. On vire notre étampe de bord une fois de temps en temps pour
pour donner un autre enchaînement de flocons, là. Fait que ça soit pas tout pareil. Tiens, moi, je pense que c'est correct comme ça. Peut-être un petit dernier ici. Comme ça, ça se descend. Jusque-là. Tiens, je laisse ça comme ça. C'est beau de même, comme on pourrait dire. Alors, oh, salut Karine! Donc, on met ça de côté, ça c'est fait. Et mon petit vœu, il va se trouver à être dans le bas comme ça. Fait que ça va venir remplir l'espace. Parce que je voyais mal de mettre des flocons jusqu'à terre. Fait que je pense que je vais laisser ça tout simplement comme ça. Donc, on vient coller notre panneau. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez d'autres idées pour les retailles? Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites avec vos retailles? Si oui, ben partagez-les nous. Comme ça, ben, ça nous fera encore plus d'idées. Et moi, je pense que quand on a quand même des bons morceaux de retailles, c'est important de... Oh boy! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! J'avais pas calculé que j'en avais aussi large, mais c'est pas grave, on va laisser sécher. Tiens! On va laisser sécher, puis on va l'essuyer avec ma petite gommette. Tiens! Comme ça. Et bien sûr, le vœu, on va le mettre en dimension. Fait que ce que je viens faire, tout simplement, c'est que, tu sais, les contours, là, je vais vous sortir une feuille. Bon, j'en ai un autre comme ça ici. Fait que, tu sais, les points de dimension sont dans le milieu, mais tout ce qui est contour, hein, faut s'en servir. Fait que, c'est... Tu sais, ça vous donne une idée de... Ça peut être super simple. Si vous avez moins de matériel, vous avez des belles retailles, ben, il y a moyen de faire quelque chose de beau avec ça. Et voyez-vous que, tu sais, j'ai pris de l'encre noire, j'ai pris mes retailles, j'ai étampé, puis on peut les disposer de différentes façons. Puis, tadam, c'est fait. Au niveau des vœux, quand vous faites un vœu comme ça, faites-vous-en plusieurs. Alors, enchaînez-les pour en faire plusieurs, puis comme ça, ben vous en avez. T'sais, on les laisse dans les... Je pense que j'en ai dessus. On les laisse dans les jeux, comme ça. Bon, hein, j'avais déjà ça. J'ai quelques bonhommes de prêt. Fait que dans mes autres jeux de temple, on a différents vœux qui sont déjà prêts. Fait qu'ici, j'ai des teintes de vert. Ici, j'avais les teintes de bleu. J'avais le jaune et j'avais le rose. On voit-tu tout comme ça? Ouais. Fait que c'est ce que ça donne. Je me suis retenue parce que j'aurais voulu mettre comme des petits bling-bling, des petits brillants. J'ai failli mettre du Wink of Stella. On peut colorer à l'intérieur des morceaux avec peut-être le crayon craie. Il y a plein de choses qu'on peut faire ou le laisser comme ça, comme j'ai fait. Ça donne quelque chose de super simple, mais que je pense que ça fait son effet. Alors, si vous aimez ça, ben n'hésitez pas à me le faire savoir, un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Puis, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Alors, super simple, hein, n'est-ce pas? Je vous mets au défi d'essayer ou de trouver peut-être d'autres solutions pour les retailles. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrépapier.com. Et ce fut une courte mais bien plaisante pause créative. Merci d'avoir été avec moi, puis on se rejoint la semaine prochaine pour une autre pause. Merci! Bye bye!